Parhe mai te ei. E ha matara tatu. Maruru mai te ei te mohoa I te wharira mai te ienei titaura ai anene tatu I e wharere I te ienei pūpū. Maruru no te whaaturar aia I te pīra I anene tatu I e wharere I tūraiwa. No atua pai wo mairiri o e awhahora. Te huru e mamamidi. Tāpō whai te tāe nene tātō e whanhoi tā tātō o hupa, nā roto I te whātura rā I te tei te tei. Nō rira, maruru mai te ia o tō tu momero I te mei, maruru tō te tō tātō ai a, maruru tō mautia o te ore I tāpura hi aro te tō e bubu, maruru I tāre rā mai, maruru tō tātō mō tāe no te mana o tō mō mutu, e tō te tāpura amui, amui mei. Kio rāna tō atu mō papa e wea. Yo ranat fe ye mat et emene ya tatu. Tau tatu e ha matatu e. Naruro e faiti atu I utu e. Te vene te te mana o pepea. Te mea I tatu tatu mo ta no te taho e rahu I ratira I te mei. E te I e te niuniu o te priti te ni e taniru mene ya. Te mea I taratu hin aro par hei te ine iwa hei. Hin aro ratu e popore I taraho hei umai. Te maro maro mamai te ira tatu. Te whanhor a tau I rawe. E tuo I namua roa, te pupu mero rei roa e. I roto I te pēpātoi, I te wahe o tāna hina aro rei hare. Wani au I tō tātou pretiteni a Gaston Tocson, hia o tō hina aro e pārhei. O pāpa e me o whaite me o ia e, I te hiti aui, a l'extrem gauche. E ua whari oi te rira. Maruru, harame iei. E, te pupu a te taho e rahu I la tira, e te pupu I aura te whenua. Whai amai tātou I tō tātou pai. E, te pine iau I tō tātou mō tae no te taho e rahu I la tira. Me te pēu e te mata I te emei nei ratou, I te genei rurur aitina tātou. Te anine iau I a ratou I a amui mei. Whātura te ienei whaotira. Amui mei, whātura I te ienei whaotira. Nō rira, te hamata nei tātou I tātou rurur a. Mesdames, messieurs, je déclare la séance ouverte. Et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 14 avril 2011. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa session administrative le mercredi 20 avril 2011 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Jacques Brulé. Maruru, je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Monsieur Alpha Théari, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absent. Madame Brémond-Madeleine, absent. Madame Brodien-Rosine, absent. Madame Chavez-Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, absent. Monsieur Jacques Hydrolé, présent. Monsieur Floss-Gaston, absent. Monsieur Foss, Madame Liliane Thirouat, Marie Thiragui, présente. Madame Fribourg-Joël, présente. Madame, Monsieur Myron Matawa, présent. Madame Galnon Minari, présente. Monsieur Monsieur Anderson George, présent. Madame Patricia Jennings, présente. Madame Irshan Nounoutea, présente. Madame Isa Lefara, absente. Monsieur Côté Benoît, présent. Monsieur Kohomitini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamatoutabou Victor, présent. Madame Anoutei Lévi Agami Sandra, présente.
Madame Maria Emma, absente. Monsieur Mario Rateina, présent. Madame Atawa Lioni, présent. Madame Mati Juliana, présent. Madame Mercer Armel, présente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Olivier Marise, absente. Madame Opa Afouanik, absente. Madame Parker Elano, présente. Monsieur Porlier Tekinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, présent. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Romataro Fernand, présent. Madame Sage Maïna, présent. Monsieur Gilles Philippe, présent. Madame Saint-Joutarita, présente. Madame Tahiata, non, Monsieur Damasoutia, présent. Madame Tawatama Juliette, absente. Madame Tama Françoise, présente. Madame Tani Thérèse, présente. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Tiongtou Roro, présent. Monsieur Tefarere Hiroiti, présent. Monsieur Temeharo René, présent. Monsieur Teripayamita, absent. Madame Teruatia Sylviane, absent. Madame Théoura Justine, présente. Monsieur Tonson Gaston, présent. Monsieur Toahou Ismaël, présent. Madame Catherine Tichoubillard, présente. Madame Vernodon Béatrice, présente, non, absente. Non, j'appelle pour moi. Maruru, le quorum étant largement atteint, je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Cross Valentina à Monsieur Ismaël Toahou, de Madame Olivier Marise à Madame Cathy Choubillard, de Madame Opa Afouanik à Madame Théoura Justine, de Monsieur Vernodon Clarence à Monsieur Fernand Romataroua, de Madame Brodien Rosine à Madame Chavé Daphné, de Madame Maraya Emma à Monsieur Tchungyutunghi Roro, de Madame Brémo Madeleine à Madame Tarita Saint-Jou, de Monsieur Flos Gaston à Monsieur Temeharu René, de Madame Tawatama Juliette à Madame Monique Richton, de Madame Vernodon Béatrice à Monsieur Tekinui Porlier, de Monsieur Jean-Christophe Bissou à Madame Emma Algon. Maruru Maitei, je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, élection des membres de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 4, élection des représentants au sein de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5, élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6, élection des représentants au sein des commissions organisées extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 8, examen de la correspondance. Et point 8, clôture de la séance. Voilà. Maruru Maitei, je demande donc à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Qui est pour? À l'unanimité. Merci. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'élection des membres de la commission permanente. Je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres de la commission permanente. Alors, Monsieur le Président, l'article 127 du statut prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente. L'article 47 du règlement intérieur relatif à la formation de la commission permanente précise que la commission permanente est composée de 21 membres. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapportée au nombre de représentants appartenant au groupe considéré. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité de suffrage, le siège attribué au plus âgé.
Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente. La liste des noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée, sauf si elle en décide autrement par application des articles 43 et 44 du présent règlement intérieur. La majorité absolue des membres présents ou représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative des membres présents ou représentés suffit. Alors, dès sa formation ou son renouvellement, la commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. La présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Enfin, sur le renouvellement, l'article 48 du règlement intérieur prévoit que la commission permanente est renouvelée chaque année au plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement annuel des membres du bureau de l'Assemblée. Selon la règle de la représentation proportionnelle, la répartition des sièges entre les groupes est la suivante. 9 sièges reviennent au groupe UPLD. 4 sièges au groupe Totato Aya, 4 sièges au groupe Tahu Erahu Iratira, 2 sièges au groupe Yaura Tefenua et 2 sièges au groupe Temanautomo Mutu. Nous avons, pour préparer cette réunion, pris contact avec les présidents de groupe pour connaître l'identité de leurs candidats. Nous avons donc pu préparer hier la liste que nous allons vous proposer ce matin. Et plutôt que de vous proposer une suspension de séance pour faire semblant d'aller rédiger une liste, la liste étant déjà rédigée, je vais demander au secrétaire général de donner lecture de la liste établie pour la formation de la commission permanente de notre Assemblée. Alors, Monsieur le Président, voici les candidatures recueillies. Alors, Monsieur Kote Benoît, Madame Maritera Guimeroto Liliane, Monsieur Toahou Ismaël, Monsieur Matawa Mayron, Madame Irshan Onotea, Madame Mathieu Juliana, Madame Opa Afouanik, Madame Big Sabrina, Madame Outia Damas, Monsieur Tefarere Hiroiti, Madame Teura Justine, Madame Chavé Daphné, Monsieur Teripa Yamita, Madame Maraya Emma, Monsieur Alpha Tiari, Madame Saint-Jou Tarita, Monsieur Komitini René, Madame Brémond Madeleine, Monsieur Temeharu René, Madame Algon Emma et Madame Nerceron Armel. Merci. Je demande à distribuer la liste de la commission permanente, s'il vous plaît. Pardon. Madame Algon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Yorana, vous voulez bien nous excuser, Monsieur le Président. Il y a un changement parmi les candidats de Yorana Tfinoua. Nous avons souhaité faire une représentation des membres de Yorana Tfinoua à tour de rôle. Et donc, nous proposons plutôt à la place de Mme Armel Merceron et de moi-même, nos deux jeunes du groupe Yaura Tfinoua, Mme Maïna Sage et Teiki Porlier. Merci. Merci, Madame Algon. J'ai exécuté les desiderata de votre président. Je conçois que, bien évidemment, il faut laisser la place aux jeunes. Donc, c'est une requête qui est adoptée. Je vais vous demander à ce moment-là une suspension de séance pour permettre au secrétariat de réimprimer de nouveaux bulletins. On va couper quelques peupliers de plus. Merci. La séance est suspendue. La séance est reprise. Je vais demander d'accélérer la distribution, s'il vous plaît. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste établie pour la formation de la commission permanente de notre Assemblée. Alors voilà,
Monsieur le Président, voici les nouvelles candidatures définitives. Monsieur Kauté Benoît, Madame Marie-Thérèse Guimerotto Liliane, Monsieur Toa Ismaël, Monsieur Matawa Mayron, Madame Irshan Unotea, Madame Mati Juliana, Madame Opa Afouani, Madame Jennings Setoni Patricia, Monsieur Outia Damas, Monsieur Tefare Rehiruiti, Madame Teura Justine, Madame Charé Daphni, Monsieur Teri Payamita, Madame Maraya Emma, Madame Monsieur Alpha Teari, Madame Saint-Jou Tarita, Monsieur Komitini René, Madame Brémond Madeleine, Monsieur Timaharu René, Madame Sage Maina, Monsieur Paulette Ekinou. Merci. À la demande d'un certain nombre de représentants, je vous propose un scrutin secret. Je vous propose d'adopter cette technique de vote. Si vous en étiez d'accord, levez la main pour ceux qui sont d'accord. À l'unanimité, merci. Donc nous passons au vote secret et je demande à Madame le secrétaire général de faire l'appel des représentants pour le vote. Deux secrétaires près de l'urne. Quelle est la deuxième secrétaire? Quel est le nouveau secrétaire? Après Juliana. Madame le secrétaire général. Qui était sur le bureau, la troisième secrétaire, René ayant démissionné, nous n'avons pas à désigner de nouveau secrétaire, mais au moins la troisième secrétaire, me semble-t-il, Armel Merceron, n'étiez pas, non mais sur le bureau, qui Robert Tonceau, pardon. Vous êtes un cachotier, monsieur Robert Tonceau, vous le saviez pourtant. Je vous en prie. Donc je demande à Madame le secrétaire général de faire la liste, de donner la liste des représentants pour voter. Vous avez la parole. Alors, Madame Algon Emma a voté. Monsieur Alpha Théry. A voté. Madame Big Sabrina absent. Madame Bob Dupont-Tamara. A voté. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absent pour classer Madame Algoïma. A voté. Madame Brémond Madeleine, absent pour classer Madame Parita Saint-Jou. A voté. Madame Brodien Rosine, absent pour procuration à Madame Chavi Daphné. A voté. Madame Chavi Daphné. A voté. Madame Cross Valentina, absent pour procuration à Monsieur Ismaël Touahou. A voté. Monsieur Jacques Drolet. A voté. Monsieur France Gaston, absent pour création à Monsieur Temiharu René. A voté. Madame Fribourg-Joël. A voté. Madame Galland-Minari. A voté. Monsieur Anderson Georges. A voté. Madame Irshan Unotea. A voté. Madame Issa Leifara. A voté.
Madame Jennings, c'est ton nom, Patricia. À voter. Monsieur Comté Benoît. À voter. Monsieur Comitini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin, absent. Procuration à Monsieur Robert Tonceau. Robert Tonceau pour Monsieur Lison Marcelin. À voter. Monsieur Mamato Hirta pour Victor. À voter. Madame Marie Draghi Meiroto Liliane. À voter. Madame Manutri Lévi Agami Sandra. À voter. Madame Araya Emma, absente. Procuration à Monsieur Tchungtouroro. À voter. Monsieur Maraoula Teina. À voter. Madame Atawa Leoni. À voter. Monsieur Matawa Mayron. À voter. Madame Marti Juliana. À voter. Madame Erceron Armel. À voter. Monsieur Moutan Thomas. À voter. Madame Olivier Marise, absente. Procuration à Madame Tuchobillard Catherine. Madame Tuchobillard Catherine pour Madame Olivier Marise. À voter. Madame Opa Afouanik, absente. Procuration à Madame Justine Théoura. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Pauliette Kinoué. À voter. Monsieur Rapporteur Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Romataro Fernand.
à voter. Madame Aïna Sage. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Tarita Saint-Joux. À voter. Madame Tawatama Juliette, absente. Procuration Madame Richton Monique. À voter. Madame Françoise Tama. À voter. Madame Tani-Thérèse. À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Tionto Roro. À voter. Monsieur Tefaré de Hiroiti. À voter. Monsieur Temeharu René. À voter. Monsieur Térématé Ruben. À voter. Monsieur Teripayamita. À voter. Madame Pirouater Sylviane, absente pour création à Monsieur Thierry Alpha. À voter. Madame Théora Justine. À voter. Monsieur Tongson Gaston. À voter. Monsieur Touré Ismaël. À voter. Madame Tichoubia Catherine. À voter. Monsieur Outia Damas. À voter. Madame Venondon Béatrice, absente pour création Monsieur Tekinou Paulier. À voter. Monsieur Venondon Clarence. Monsieur Venondon Clarence. Comme il vient d'arriver. À voter. Voilà, j'ai appelé tout le monde. Merci. Le scrutin est clos. Je vous propose de le dépouiller pour l'instant. Merci.
Liste complète. 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 Et liste complète. Merci. Donc, sur 57 représentants, 56 ont voté. La liste proposée a obtenu 56 voix, 0 voix contre et 0 abstention. En conséquence, sont élus membres de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, messieurs Benoît Cauteil,
Madame Liliane Mariterangi Mairotu, Monsieur Ismaël Touahou, Monsieur Myron Matao, Madame Unutea Hirschon, Madame Juliana Mahati, Madame Annick Oopa Afo, Madame Patricia Jennings Tetuanui, Monsieur Damas Utia, Monsieur Hirohiti Tefarere, Madame Justine Teura, Madame Daphné Chavez, Monsieur Mita Teripaya, Madame Emma Maraya, Monsieur Teario Temoana Alpha, Madame Tarita Saint-Jou, Monsieur René Kohumuetini, Madame Madeleine Brémond, Monsieur René Temeharo, Madame Maina Sage et Monsieur Teikinui Porlier. La séance est suspendue pour permettre aux membres de la commission permanente de procéder à l'élection du président, du vice-président et du secrétaire. Et j'invite donc les membres élus de la commission permanente à se rendre dans la salle des commissions et à procéder à cette élection. La séance est suspendue. La séance est reprise. Donc, les membres de la commission permanente se sont réunis dans la salle des commissions et ont désigné leur responsable. Président, M. Benoît Cauteil. Vice-présidente, Mme Liliane Mariterangi Mairoto. Et secrétaire, M. Ismaël Touahou. Tous les autres membres dont j'ai donné le nom tout à l'heure sont membres donc de cette commission permanente. Je vous demande d'applaudir notre commission permanente. Et je vous rappelle que cette décision, élection, s'est faite à l'unanimité de ses membres. L'esprit de consensus règne sur cette Assemblée. Continuons de ce pas. Monsieur Vito Mamatoua, vous avez la parole. Narora te mon o na muaroa e whari ipopo tato i tumumero o te taumu mai, mumero api o te taumumero te tatatu pia porarai, te mene i to tatu tamana no rimatara, Damas, te vene i to tatu tae au mairona, mataoa, tatatu i mataro mai tei, te vene i to tatu tae au Ruben, tere mate, e te vene i te tuhine to tatu, Patricia Jennings. Te mea hoi whaaro o tātou i te hapara rihia tātou pia o rārahi. A, mea hei tuhi pai vai rei mua tātou. Tā, maruru pere tēne. Maruru mai te Vito. Je rappelle également à ceux qui ne le savent pas que M. Vito Mamatoua a été élu démocratiquement hier président du groupe UPLD et à l'unanimité des membres de l'UPLD. Félicitations, M. le Président. Nous poursuivons notre ordre du jour. Je demande donc au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des commissions législatives de l'Assemblée. Alors, Monsieur le Président, l'article 58 du règlement intérieur prévoit qu'au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein 9 commissions législatives composées chacune de 9 membres. Lorsque cette élection n'a pas pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourrait être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Alors, chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du président, du vice-président et du secrétaire, ainsi que le nom des 6 autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre selon les modalités définies par les articles 44 et 44 du présent règlement.
Enfin, l'article 60, alinéa 1 du règlement intérieur prévoit que pour le renouvellement des commissions législatives, elles se font chaque année, au plus tard, au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Comme pour la commission permanente, j'ai pris la tâche des présidents de groupe pour leur demander le nom de leurs candidats à toutes ces commissions législatives en fonction de la taille de leur groupe et telle que prévue par notre loi organique, notre statut et notre règlement intérieur. Donc nous avons pu préparer la représentativité de chacun d'entre nous dans les 9 commissions législatives. Ce que je vous propose, c'est de vous distribuer la liste de ces 9 commissions et de voir si par rapport à ces règles, vos desiderata ont été respectés. Si vous avez des modifications à faire qui rentrent dans le cadre des règles, je suis prêt à les examiner. Sinon, nous passerons au vote et comme je constate que l'esprit de consensus règne, plutôt que de revenir voter à bulletin secret dans l'urne, je vous proposerai à ce moment-là un bulletin à main levée. Ça sera plus simple pour tout le monde et ça ira plus vite. Madame Mercelon, comme je vous apprécie, je vous donne la parole. Bon, bah écoutez, si vous donnez la parole en fonction du hit parade, c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit toujours gentil avec vous, ce que je n'envisage pas d'être systématiquement. Alors, justement, je pense quand même qu'il serait bon qu'on ne donne pas comme ça un vote en aveugle et nous voudrions d'abord avoir la liste globale avant de nous prononcer. Merci. J'avais cru comprendre, Madame Masseron, que je m'étais exprimé en français. Je comprends que mon français n'est pas parfait, donc on vous fait distribuer la liste et je vous laisse le temps nécessaire pour la lire. Merci. Ce n'est pas une suspension de séance, c'est une lecture silencieuse. Pendant que l'on vous distribue la liste des 9 commissions législatives, je voudrais vous sensibiliser au fait que chacun d'entre nous devant être dans une commission, j'ai pris la tâche des non-inscrits pour leur demander les commissions, normalement, où ils souhaiteraient être. Parce qu'à partir de là, il y a une conséquence sur la répartition et malheureusement, cette répartition s'est faite au détriment du groupe Totato Aya, là où il y avait un non-inscrit et que vous avez souhaité avoir 2 candidats. À partir de la présence de ce non-inscrit, vous n'en avez eu qu'un. Mais dans une autre, vous avez présenté un seul candidat, donc le problème a été réglé rapidement. Nous avons essayé de répondre aux desiderata de tous, en sachant bien évidemment qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde en même temps. Donc là, je vous propose de lire le document qu'on vous a distribué. Et si vous n'avez pas de commentaires particuliers, nous allons procéder au vote. Pour l'instant, je m'adresse au président de groupe. Je souhaite que les présidents de groupe me disent si les listes proposées sont bonnes ou s'il y a encore des derniers changements. Je vous laisse quelques minutes. Monsieur Robert Tonceau, vous avez la parole. Maruru. Merci, Monsieur le Président. Je dois tout d'abord avouer, Monsieur le Président,
que c'est avec une grande joie que nous abordons cette première séance sous votre présidence et avec une très bonne ponctualité. Je pense qu'il est bon de le souligner, Maruru est président. En ce qui concerne les différentes commissions, je tiens à rappeler que nous vous avons déjà, au nom du groupe Totatuaya, cédé une place dans la commission de l'aménagement. C'est chose faite. Nous avions deux candidats et donc nous avons retenu qu'un seul au lieu de deux. Donc c'est déjà une première session de Totatuaya parce que, quelque part, nous sommes tous d'accord, il faut qu'on s'entraide entre les groupes pour pouvoir placer les non-inscrits. Et d'une. En ce qui concerne la commission des finances, nous n'avons pas spécialement donné un accord et je vois que j'ai été retiré de la commission des finances, quand bien même nous avons demandé, en fonction de notre répartition, à garder deux sièges pour le président Gaston Tong-Song et moi-même. Et je me rends compte que mon nom a été enlevé. Moi, ce que je vous propose par esprit, en fin de compte, de solidarité, je veux maintenir ma candidature à la commission des finances. Par contre, la commission de contrôle budgétaire et financier, nous sommes prêts à céder un candidat, ce qui nous fait en tout et pour tout deux sessions quand même. Entre autres, la commission de l'aménagement où nous avons déjà cédé un candidat, nous sommes prêts à céder un deuxième candidat pour la CCBF, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Tong-Song. Je voudrais vous rappeler que dans la répartition des représentants dans les commissions législatives, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai mentionné le nom de Monsieur Gaston Tong-Song et que je n'ai pas mentionné le vôtre dans la commission des finances. Ce sont les règles mathématiques qu'il impose à partir du moment où Mme Sandra Manoutrey-Lévy-Agami a souhaité être membre de la Commission des finances. Et je rappelle également que dans la Commission de l'aménagement, Mme Minard également est aussi membre de cette commission. Et à partir de là, de deux sièges, vous redescendez à un selon les calculs mathématiques, tout simplement. Il n'y a pas d'ostracisme de ma part. Lorsque vous m'avez donné des noms doubles dans les commissions où il n'y a pas de non-inscrits, vous avez été inscrit. Vos noms, vos candidats ont été retenus. Par contre, lorsque, au niveau de la commission de l'éducation, vous m'avez transmis que le nom de Teari Otemoana Alpha, vous n'avez choisi qu'un représentant. C'est bien tombé, c'est comme ça, puisque M. Schill, ancien professeur de son État, s'est retrouvé dans la commission de l'éducation, tout à fait logiquement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, vous nous faites une proposition d'échange de siège entre la CCBF et la commission des finances. C'est une question que je dois poser à ce moment-là aux autres membres de l'Assemblée. Car je me suis, moi, pour ce qui me concerne, je me suis astreint à faire une répartition telle que les textes nous le prévoient, mathématique, au quotient, au plus forest. Et les chiffres ont été exposés devant moi, et c'est à partir de ces chiffres que j'ai fait cette répartition. Et si j'ai retenu le nom de M. Gaston Tong-Song à la Commission des finances, c'est simplement parce que votre représentant m'a transmis les deux noms dans l'ordre. Et moi, j'ai compris que, étant dans l'ordre, je pouvais prendre le premier et laisser le second, puisque le second n'avait plus de place. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de ne pas toucher à l'architecture de nos commissions législatives et de l'accepter tel que je vous le propose, étant entendu, M. Tong-Song, que toutes les commissions sont ouvertes à tous les représentants. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas membre d'une commission qu'on ne peut pas assister aux commissions dites. Bien évidemment, il y a des votes en commission législative, mais les votes en commission législative ne sont que des votes indicatifs
le vote le plus important étant celui de la séance plénière. Et à ce moment-là, vous retrouvez l'ensemble de vos prérogatives. Moi, je vous proposerai, si vous en êtes d'accord, à moins qu'il y ait des modifications sur d'autres listes proposées par d'autres groupes. Monsieur Vito Mamatoa, vous avez la parole. Marou m'était prétendu. Ni était-il tombé et prétendu Euro Justine, commission de la communication du patrimoine culturel, ou à ta propre manteau déterminé, et mon hier est au Annick, au Opac, à Fou, à la monoprétitini. Et au théâtre, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Maruru, maitei, et te prititini, ou te tapura amui, et hato ueman oitra nira ta Gaston, ta Robert Tonso, note taumar aï oitra tomite note fofa, et note vechur aïte te parhira ou te CCBF. Et hato man ote tapura amui rira, te veran et te mano. Maruru, Monsieur le Président, à juste titre, vous avez effectivement signalé que dans la commission de l'éducation, notre groupe n'a présenté qu'un nom, celui de Thierry Alpha, au lieu de présenter deux noms. Donc, c'est une présentation très démocratique parce que volontairement, nous avons laissé un siège à un autre candidat non inscrit. Et d'un. De deux. Je reconfirme que dans la deuxième commission, celle de l'aménagement, au lieu de représenter deux candidats, nous sommes d'accord pour enlever un deuxième candidat. De deux. Ça fait deux sessions. Toujours dans l'esprit démocratique. De trois. Je vous demande, après nos deux sessions, de ne pas nous demander une troisième session dans cette commission des finances, parce que j'estime que dans ce cas-là, c'est un hasard désigné en ce qui me concerne de me l'enlever dans cette commission des finances, à savoir de passer à deux, de réduire de deux à un représentant pour le Totatu Aya. C'est un simple hasard désigné. Alors, la question à 1000 points est d'un, pourquoi s'agit-il de Totatu Aya de céder? De deux, pourquoi, dans cette répartition démocratique, très démocratique, ce n'est pas l'UPLD qui a déjà 5 élus dans cette commission de caresser l'espoir de session. Merci. Monsieur Tonso, vous pouvez toujours me caresser, mais je vous rappelle que l'UPLD, contrairement à ce que vous dites, n'a que 4 membres dans la commission des finances. Je ne sais pas où vous avez trouvé le 5e, à moins que vous vouliez adhérer à l'UPLD. Nous n'avons que 4 membres. Temana Otumomutu a 1 membre, et les autres sont répartis en fonction de leur importance. Alors, au même titre que les 4 membres, je rectifie, je confirme qu'il y a effectivement 4, parce que Taina effectivement représente son groupe. Au même titre que les 4 sièges de l'UPLD, TTA ne demande que ces 2 sièges dans la répartition. Je ne demande pas à avoir une faveur, je demande le maintien de nos 2 sièges, comme l'UPLD demande le maintien de ces 4 sièges, tout simplement. Merci, Monsieur le Président Tonso. Je vous rappelle qu'avant de vous exprimer, vous devez demander la parole, et non pas couper la parole du Président. S'il vous plaît. Dans le cas de figure qui se présente à nous, nous n'avons fait qu'appliquer des règles qui régissent la répartition des représentants dans les commissions législatives, des règles mathématiques.
Il n'y a pas de place à l'interprétation culturelle. Et dans les règles mathématiques, ce n'est pas deux sièges qui vous reviennent à la commission des finances, c'est un siège. Si, par exemple, Madame Sandra Lévy-Agami, non inscrite, demandait à se déplacer dans un autre groupe, dans ce cas-là, vous seriez tenu d'obtenir deux sièges. Mais pour l'instant, Madame Sandra Lévy-Agami m'a demandé à être présente dans la commission des finances, ce que j'ai accepté et j'ai mis son nom dans la commission des finances. Mais ne croyez pas, Monsieur Tonceau, que j'ai fait un tour de passe-passe pour vous supprimer des candidats. J'ai simplement appliqué les règles de calcul en fonction de l'importance des groupes. J'essaie de vous faire comprendre cela. Madame Sandra Lévy-Agami, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour vous préciser qu'il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle, puisque j'étais moi-même déjà membre de cette commission. Donc il ne s'agit pas de siéger nouvellement dans cette commission, mais bien évidemment de continuer à siéger dans cette commission. Donc malheureusement, la répartition se fait quelque part à mon profit, mais je tiens à signaler que je ne suis pas nouvelle dans cette commission et que c'est le jeu des calculs prévus par nos statuts qui ont cette conséquence. Donc je m'excuse auprès de M. Tonceau, mais je voulais juste continuer à travailler au sein de cette commission des finances. Je ne pensais pas que ça aurait des conséquences telles que nous les voyons aujourd'hui. N'y voyez pas dans ce choix que j'ai fait une volonté de réduire la représentation de Totato Aya au sein de cette commission, mais juste l'envie de continuer mon travail parlementaire au sein de cette commission des finances. Merci. Merci, madame, et vos désirs sont des ordres. Bien évidemment. Monsieur Tonceau. Maruru, Monsieur le Président, je regrette que ce siège est postulé par ma collègue que je respecte beaucoup, l'élu Sandra. Malheureusement, il s'agit effectivement d'un siège qui concerne Sandra. Mais effectivement, Monsieur le Président, vous avez rappelé que le groupe Totato Aya n'a, sur le plan mathématique, n'a droit qu'à un siège. Je confirme effectivement que vous avez raison, parce que pour être au plus précis du chiffre mathématique, nous avons droit qu'à un siège, 48, et bien entendu pas de deux sièges. Mais en mathématiques, je ne suis pas non plus le dernier des matheux, parce que je rappelle que l'UPLD a 3,41 sièges, qui est 41 légèrement supérieur à 1,48 siège. Voilà ce que je voulais dire. Mais avec tout le respect, Monsieur le Président, on m'a toujours dit que c'est une majorité qui décide et je m'arrête là. Merci, Monsieur Tonceau. Je voudrais simplement, avant que l'on fasse la petite modification demandée par le groupe UPLD sur la vice-présidente et la secrétaire du groupe de la commission de la communication, vous dire que dans le calcul des sièges à répartir pour les commissions législatives, le chiffre que vous avez indiqué correspond à l'attribution des sièges au quotient. D'abord au quotient. 3 sièges. 3,41, ça fait 3 sièges. Et nous l'avons respecté. Une fois que ces sièges au quotient sont établis, la deuxième opération que l'on réalise, c'est l'attribution des sièges restants à la plus forte moyenne. Et à cette plus forte moyenne, l'UPLD reprend un siège de plus. Donc 3 plus 1 égale 4, Monsieur Tonceau. Donc si vous avez des contestations à émettre, vous le faites dans les règles. Moi, ce que je vous propose, c'est de progresser dans notre travail. Je vais demander une petite suspension de séance pour inverser simplement les fonctions dans la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, pour remplacer Mme Théa Hirschon comme vice-présidente par Mme Annick Opa-Afo, et Mme Théa Hirschon devient secrétaire de cette commission. La séance est... Oui, Monsieur Temiaro, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. À mon tour, Monsieur le Président, je vais donc féliciter notre ancien et nouveau président de la Commission permanente et vous dire donc toutes nos félicitations. Et aussi, c'est peut-être du fait que c'est un autonomiste, c'est pour ça qu'on a voté dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, donc, c'est certainement parce qu'il a été un bon président, hein, donc, l'année dernière. Et par rapport à la liste qui nous est présentée au niveau des différentes commissions, Monsieur le Président, donc, nous sommes favorables, d'une part, à la répartition des représentants, donc, et apparenté sur la répartition qui nous est présentée. Mais par contre, à la présentation donc, des membres du bureau, vous connaissez notre position, je trouve un peu dommage. Voilà, merci. Merci, M. René de Meharo, pour Président. Cette intervention. Ça me permet de vous dire... Président. Que... pardon ? Ça me permet de vous dire que... nous ne maîtrisons pas le temps électoral. Bien que ce matin, nous ayons eu des informations sur la vie de cette Assemblée jusqu'en 2013, encore que, il faut prendre ces déclarations avec beaucoup de précautions. Donc nous ne maîtrisons pas le temps électoral. Ça veut dire que nous avons le devoir de réussir. Et pour réussir, nous avons le devoir d'être soudés. Ça aurait été une législature normale de 5 ans. On aurait accédé à une répartition, j'allais dire, démocratique en fonction des groupes. Mais malheureusement, nous ne savons pas quelle est notre durée de vie en tant que représentants, puisque la décision de dissolution de notre Assemblée ne dépend pas de nous. Donc nous avons discuté, débattu et conclu à ce que vous voyez vous présenter. Donc je vous remercie pour votre soutien. Je comprends très bien votre position. Je vous demande de comprendre la nôtre. Monsieur Thompson, Monsieur le Président Thompson, avant que nous fassions une suspension de séance. Merci bien, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer l'ensemble de nos collègues, surtout les nouveaux entrants dans notre Assemblée, et leur souhaiter la bienvenue et un bon mandat pour pouvoir travailler ensemble et saluer et féliciter l'élection de votre président de groupe, l'UPLD, M. Thomas Matoua. Et il a oublié de saluer une personne entrante également dans votre assemblée, Sabrina. C'est dommage parce qu'elle fait partie du groupe UPLD. Et je voulais simplement dire, au niveau de la répartition de nos commissions, mathématiquement, sur 9 représentants dans les commissions législatives, Totatoaïa a droit à 2 sièges. Ça c'est clair. Mais pour satisfaire la fameuse règle fixée par l'Assemblée où tout le monde doit être présent dans une commission législative, notamment en faveur des non-inscrits, il faut quand même le dire que aucun texte n'oblige un groupe à céder sa représentation. Aucun texte. Hein. Donc, c'est bien de manière consensuelle qu'on doit arriver à faire rentrer l'ensemble des élus. Je ne vais pas me lancer dans le calcul mathématique en savoir quel est le groupe qui a le plus fort reste pour préserver sa représentation au sein des commissions législatives. Tonso a bien fait remarquer. Nous avons naturellement cédé 2 sièges Totatoaïa au sein de 2 commissions législatives, l'aménagement et l'éducation. Bon, on aurait aimé préserver nos 2 représentations au sein de la commission des finances. Si effectivement la nouvelle règle consiste à dire c'est aux non-inscrits, hein, de choisir la commission dans laquelle il voudrait siéger, bon, il faut qu'on écrive ces règles. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, essayons de céder de manière consensuelle cette représentation. On aurait aimé que ce soit l'UPLD, si ces 4 représentants au sein de la commission des finances qui cèdent une place
à un non-inscrit. Bon, bien sûr, si on t'envoie passer au vote, vous allez voter à la majorité pour que nous perdons une représentation. Ce n'est pas mathématique. À mon avis, je suis désolé, ce n'est pas mathématique cette affaire, c'est parce qu'on veut bien céder. On peut aussi proposer à Mme Sandra Louis-Agami une autre commission où nous avons deux représentations. Hein? Alors, on nous aurait demandé de faire une proposition, on aurait fait. Mais ceci étant, je propose de céder ma place à la commission des finances, à M. Thompson. Voilà. On règle l'affaire comme ça, toujours pour ne pas gêner le bon fonctionnement de nos institutions. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président Thompson. Donc, je demande au secrétariat, vous avez distribué un peu trop rapidement les nouvelles listes, d'apporter la modification à la commission des finances. Vous remplacez M. Gaston Thompson par M. Robert Thompson. Une fois de plus, à moins que vous souhaitiez simplement le consigner par écrit, est-ce que c'est possible? Hein? Donc, sur la dernière liste qu'on vous a transmise avec la modification de la vice-présidente de la commission de la communication, vous ajoutez à la main, je m'excuse, vous coupez le nom de M. Gaston Thompson et vous écrivez à côté M. Robert Thompson. Il représentera donc le groupe Totato AIA. Je rappelle simplement que personne n'a rien donné. Une fois de plus, je rappelle simplement que, bien évidemment, on peut considérer les noms inscrits comme quantité négligeable et ne pas tenir compte de leur avis. Ça n'a pas été le cas. Je ne peux pas imaginer que Mme Sandra Lévy-Agami soit considérée comme une quantité négligeable. Ce n'est pas possible. Donc j'ai accepté la répartition de ces trois personnes dans les commissions législatives, et à partir de là, là où elles sont, vous perdez un siège, bien évidemment. Donc je vous propose de passer au vote par commission et à main levée. Je vais demander donc à Madame le secrétaire général de relire les commissions les unes après les autres, et à la fin de chaque lecture de commission, je vous demanderai de voter à main levée. Merci. Alors. Commission des finances, président Madame Tama Françoise, vice-président Monsieur Mamad Wahib Tabou Victor, secrétaire Madame Tani Thérèse, membre Monsieur Tefarere Hiroiti, Monsieur Mareura Teina, Monsieur Tonso Robert, Madame Tarita Saint-Jou, Monsieur Jean-Christophe Bissou et Madame Sandra Manoutaï Lévy Agami. Avant de passer au vote, Monsieur le président du groupe UPLD, vous avez la parole. Maru Pritini. Aita mon on hamaru no Pritini Thompson. E hapu pura ito umai ti ai ni ti ti ara Pritini no UPLD. E naru no hamu no yan. Iti te mene e wa pupu tu ito moi o auto feia o nei. O te tomo mai ti te mene ro ti tata tu pia pura rai. Pro tane pro da no ti te a hipa ona te rido. Maru Pritini. Merci. Je vous demande donc de passer au vote. Ceux qui sont pour la composition de cette commission lèvent les mains. À l'unanimité. Pardon. Ceux qui sont pour. Combien? 46 pour. Ceux qui sont contre. 0 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Alors, levez la main pour ceux qui s'abstiennent. 19 abstentions et le reste pour. Donc la commission des finances est élue avec sa répartition. Lisez-nous la composition de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité, de la protection sociale. Présidente, Madame Mati Juliana. Vice-présidente, Madame Cross Valentina. Secrétaire, M. Télématé Ruben. Membre, M. Anderson Georges. Madame Maritera Guimairoto Liliane. Madame Teruatea Sylviane. Madame Brodien Rosine, Madame Brémond Madeleine et Madame Merceron Armel. Merci. Je mets l'élection de cette commission aux voix. Ceux qui sont pour? À l'unanimité? Non plus? Donc, ceux qui sont pour. Ceux qui s'abstiennent? Donc, ceux qui sont contre? Totato Aya, vous avez voté comment? Pour. Donc, seul le groupe Tahoer Ahuil Atira s'abstient. Donc 9 abstentions et tout le reste pour. La commission est élue.
Commission de la santé et de la médecine traditionnelle. Alors, présidente, Madame Olivier Marise, vice-président, Monsieur Toho Ismaël, secrétaire, Madame Opa Afouani, membre, Madame Jennings Tétonou Patricia, Madame Atawa Léoni, Monsieur Lison Marcelin, Madame Mareya Emma, Madame Richton Monique et Madame Algon Emma. Merci. Je mets aux voix la commission, l'élection de cette commission. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. 9 du Taho Arahuiratira. 9 abstentions. Merci. Ils sont donc élus. Commission de l'emploi et de la fonction publique. Président, Monsieur Romain Tarou Fernand, vice-président, Madame Fribourg Joël, secrétaire, Madame Théora Justine, membre, Monsieur Outer Damas, Madame Bob Dupont Tamara, Madame Théroatia Sylviane, Madame Brodien Rosine, Monsieur Comitini René et Madame Merceron Armel. Merci. Je vous demande de voter. Même vote avec les mêmes abstentionnistes. Même vote. Adopté. Commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. Président, Monsieur Anderson Georges, vice-président, Madame Maritra Guimairoto Liliane, secrétaire, Madame Irshan Onoutea, membre, Monsieur Rapoto Jean-Marius, Monsieur Vernon Clarence, Monsieur Tchungtou Roro, Monsieur Temeharu René, Monsieur Pauliette Ekinoui et Madame Galnon Minari. Merci, je mets aux voix. Même vote adopté. Commission de l'éducation et de la recherche. Alors, président, Monsieur Rapoto Jean-Marius, vice-président, Madame Irshan Onoutea, secrétaire, Madame Théora Justine, membre, Madame Big Sabrina, Madame Fribourg Joël, Monsieur Alpha Théari, Monsieur Chil Philippe, Madame Tawatama Juliette et Monsieur Paulette Ekinoui. Merci. Je mets aux voix. Même vote. Adopté. Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports. Président, Madame Théora Justine, vice-président, Madame Opa Afouani, secrétaire, Madame Irshan Onoutea, membre, Madame Tichoubiar Catherine, Monsieur Kauté Benoît, Monsieur Teripayamita, Madame Chavi Daphné, Madame Isali Farah et Madame Saj Maïna. Merci, je mets aux voix. Même vote, adopté. Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports. Président, Madame Parker Eleanor, vice-président, Monsieur Tefarere Hiruiti, secrétaire, Madame Tichoubière Catherine, membre, Monsieur Drolé Jacqui, Monsieur Romain Tarou Fernand, Madame Chavi Daphné, Madame Mareya Emma, Monsieur Moutam Thomas et Madame Saj Maïna. Merci, je mets aux voix. Même vote adopté à l'unanimité, de la même façon adopté. Commission des institutions et des relations internationales. Président, Monsieur Mamatoué. Yautapu Victor, vice-président, Madame, Monsieur Matawa Mayron, secrétaire, Madame Jennings Tétoni Patricia, membre, Madame Big Sabrina, Monsieur Maréura Teina, Monsieur Tonson Gaston, Monsieur Tonso Robert, Monsieur Flos Gaston et Madame Vernodon Béatrice. Merci, je mets aux voix, adopté de la même façon. Donc nous avons adopté les 9 commissions législatives telles que présentées sur le document qui vous est qui vous a été distribué. Je vous remercie. Je signale au président de groupe, le président de commission, que je souhaite les rencontrer, si c'était possible et si j'étais disponible, demain jeudi 21 à 14h. Les présidents de commission, nous pourrions nous rencontrer à la salle des commissions pour parler de la façon dont nous allons travailler en relation avec le gouvernement. Donc, si vous êtes disponible, messieurs, mesdames les présidents de commission, demain, jeudi 21 avril, à 14h, dans la salle des commissions. Madame Merceron a demandé la parole, Madame Sandra Lévy-Agami et Monsieur Robert Onfou. Oui, Madame Merceron. Président, je voudrais féliciter ceux qui, en particulier, ont souhaité accepter des présidences de commission. Vous avez parlé tout à l'heure d'un devoir de réussir qui vous concerne. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, vous vous êtes aussi donné les moyens de réussir en fixant dès le départ le principe d'avoir, de maîtriser toutes les présidences de commission, en sachant que vous êtes 22 plus 6 égale 28, plus une alliée non inscrite, objectivement alliée. Ce que je voulais dire,
c'est que nous avons voté pour, parce que nous pensons qu'effectivement, il ne faut pas mettre des principes de, mettre un principe de blocage ou de vouloir bloquer. Par contre, donc, vous assumerez bien sûr toute la responsabilité de la réussite ou de la non-réussite, ce qui est très bien. Vous avez la majorité gouvernementale, la majorité à l'Assemblée, même si elle est juste, et vous avez en plus toutes les présidences de commission. Mais par contre, et nous remercions également d'être présents dans chacune des commissions, pour ce qui concerne le groupe. Par contre, je voudrais dire deux choses. Lors de la précédente année, beaucoup trop souvent, les commissions ont été convoquées à une heure, mais n'ont pas pu se tenir à l'heure dite. Il a fallu attendre une heure de plus et quelquefois beaucoup plus, parce qu'il n'y avait pas le quorum. Donc je voudrais dire à chaque président de commission qu'il fasse en sorte qu'on commence à l'heure. On perd infiniment de temps dans cette assemblée. On vient pour rien du tout. Donc j'estime que ceux qui ont voulu les responsabilités et l'honneur des fonctions doivent aussi avoir le devoir de respecter chacun des membres de la commission et de faire en sorte de commencer à l'heure. Ce n'est pas une histoire de 5-10 minutes, mais quelquefois c'est des heures qu'on perd. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on sait très bien tous que derrière toutes ces responsabilités honorifiques ou opérationnelles, il y a aussi une répartition des locaux. Nous n'avons aucune commission, nous n'avons aucune vice-présidence qui donne aussi des locaux, même quand on est tout seul. Et nous avons appris par ailleurs que les bâtiments de derrière risquent d'être, ou nous sommes dans l'un d'entre eux, risquent d'être démolis. Je vous avais demandé justement que nous puissions avoir une commission, une présidence de commission, pas tellement pour l'honneur, parce que nous sommes, et en plus pas pour l'obstruction, parce que c'est pas notre genre, mais c'était aussi pour les locaux. Donc je voudrais le dire publiquement, j'espère que quand vous attribuerez les locaux, et notamment quand vous nous aurez délogé des bâtiments qui vont être démolis, eh bien, nous ayons de quoi nous loger décemment, nous et nos collaborateurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, les locaux ne sont pas attribués forcément exactement, d'autant qu'en plus, nous allons devoir être casés quelque part. Donc, j'aimerais demander à tous nos collègues de comprendre que 365 jours dans l'année, nous avons besoin d'être logés correctement, peu importe si nous n'avons pas les crédits supplémentaires, ce n'est pas le problème. Voilà, merci. Merci Madame Merceron. Et avant de donner la parole à Madame Sandra Lévy-Agami, je voudrais vous dire que sur le plan des horaires, nous avons donné ce matin l'exemple. Donc vous devriez m'en faire crédit. Et je ne l'ai pas entendu. Seul Monsieur Tansaud m'en a fait crédit. Bien vous merci. Dire que nous avons commencé juste avec un quart merci. D'heure de retard. Merci, c'est toujours ça et ça fait plaisir. Merci Madame Merceron. Sur ce plan-là, si j'ai souhaité rencontrer les présidents de commission demain après-midi, c'est pour voir avec eux justement la meilleure façon de travailler et la meilleure façon d'aborder l'ensemble des dossiers que nous avons déjà, j'allais dire, en magasin, et voir dans quelle mesure nous pourrions, dès la semaine prochaine, réunir ces commissions, examiner ces dossiers et les proposer à l'examen d'une séance plénière à venir. Il se trouve aussi, et vous le savez bien, que malheureusement pour nous et pour des raisons d'enregistrement, ces commissions ne peuvent seules se tenir que dans la salle des commissions où il y a un système d'enregistrement. J'ai déjà vu avec le secrétaire général dans quelle mesure on ne pouvait pas aussi, dans la deuxième salle de réunion qui est dans l'ancien auditorium, nous puissions aussi faire des branchements pour enregistrer et permettre à deux commissions de se tenir en même temps. Quand on ne nous annonce pas des difficultés matérielles pour réunir les commissions les unes après les autres à la queue leu-leu. Donc ça, c'est un objectif que j'essaie d'atteindre et que j'essaierai d'atteindre avec vous, bien évidemment. Sur le deuxième point, concernant la répartition des locaux, je souhaiterais rencontrer les présidents de groupe, si vous avez un représentant, cet après-midi, aux alentours de 15h, dans mon bureau, pour justement voir ensemble comment nous allons gérer la pénurie. Je me refuse
à engager ma responsabilité en tant que président pour vous laisser dans un bâtiment qui est en train de s'écrouler. Vous avez vu vous-même que par endroits, là où vous êtes, les murs ne tiennent que par la peinture. Il n'y a plus de bois dessous tant il a été consommé par les termites. Donc je ne peux pas me permettre de vous laisser continuer à travailler là. Je suis soucieux de votre sécurité, Madame Merceron. Quand je dis votre sécurité, du groupe Yotefa, du groupe Yorotefenua. Donc, nous allons bien évidemment gérer le reste des places avec des locaux en moins. Et ce que j'ai déjà dit aux uns et aux autres, je le répète de façon solennelle, c'est que ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse répartir les locaux restants de la façon la plus juste qui soit. Il n'y a pas de raison que certains aient une tentative hégémonique d'occuper un maximum de locaux et d'autres se cantonnent dans un placard à peine plus grand qu'un placard. Donc j'appliquerai avec l'aide des présidents de groupe la même répartition pour tout le monde. Et j'essaierai de faire en sorte que, bon, certains n'aiment pas être grégaires, mais que les membres de Yorotefenua soient tous situés avec leur salle de réunion à peu près au même endroit, que les membres de Temanato Mobutu en fassent de même, que les membres du Tahoer Ahuratira soient répartis au même endroit, que les membres de Totato Aya soient répartis au même endroit, de façon à ce qu'il y ait une espèce d'homogénéité. Je regrette, dans cette répartition, je ne pourrai pas répartir les membres de l'UPLD au même endroit, tant nous sommes nombreux. Nous avons donc obligé d'éclater un peu la représentation de nos différents membres de l'UPLD. Mais je tiens compte de ce commentaire, et si l'un d'entre vous était disponible cet après-midi autour de 15 heures, nous pourrions nous réunir pour voir concrètement, sur plan, ce qui nous reste et comment on répartit. Madame Sandra Livia-Gami, vous avez demandé à parler, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour remercier Monsieur Gaston Tong-Song de s'être désisté de la Commission des finances, me permettant de continuer à travailler avec mon collègue Robert Tanso. Et également féliciter toutes les personnes qui ont été élues aujourd'hui, les élus qui siègent dans les différentes commissions, et plus spécifiquement souligner le fait que sur 9 commissions, il y a 5 présidentes. Donc nous nous acheminons... On n'est même plus vers la parité, on est vers l'hégémonie des femmes dans cette Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Livia-Gami. Monsieur Robert Tanso, vous avez la parole. Oui, enfin, maintenant que j'ai levé la main, je vais quand même le dire, parce qu'il est, fait, il est vrai que mes prédécesseurs ont tout dit de ce que je voulais dire. Bon, c'est vrai que je tiens également à féliciter et très honnêtement féliciter donc chaque président de commission. Je serais tenté de dire vous le méritez parce que vous êtes battu pour avoir cette présidence de commission. N'empêche que je tiens quand même à affirmer haut et fort que la répartition venant du président de l'Assemblée a été faite d'une manière extrêmement démocratique, dans le sens où aucune présidence n'a été réservée au groupe de l'opposition. Voilà, je tenais simplement à le dire. Maururu. Merci, M. Tanso. J'ai appliqué les règles. M. René Kouhoumouitini, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. De l'intervention que vient de faire Madame Armelle Merceron, j'adhère à tout ce qu'elle vient de dire, car effectivement, depuis, bon, c'est surtout avec l'UPLD, quand il y a eu la présidence de l'Assemblée et les présidences des commissions, que nous avons eu des mauvaises habitudes, justement sur les heures, les horaires. Les horaires n'ont pas été respectés. À chaque fois qu'il y a des convocations, ne serait-ce que pour des séances, et on démarre toujours les séances, soit une heure, ou sinon deux heures après. Et ça, c'est surtout quand il y avait l'UPLD, à la présidence de notre institution. Et là, j'ai remarqué, effectivement, bien que je ne vous aime pas tellement,
Monsieur le Président, mais je tiens à vous féliciter. Je tiens vraiment à vous féliciter, car vous avez, même quand vous étiez vice-président de cette Assemblée, et on a, j'ai bien vu que vous démarrez à l'heure prévue. Ça, je tiens vraiment à vous féliciter. Et là, vous avez donc montré l'exemple aujourd'hui même. Je me suis dit, en moi-même, il faut que je le félicite. Et là, bien entendu, la remarque que j'avais, c'est donc de, le fait de commencer nos travaux à l'heure prévue. Et j'espère que les commissions, également dans les travaux qu'il va y avoir prochainement, quand il y aura la réunion des membres des commissions législatives, et que ces heures soient respectées. Et bon, je disais toujours qu'à l'Assemblée, on a les heures de travail, mais très élastiques. Hein? Bon, voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Mes félicitations, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Kohoumoutini. J'accepte bien évidemment vos félicitations. Continuons à travailler dans cet esprit. Monsieur Hirote Fariri, vous avez la parole. Maruru Breteni, Tato Guru, Farifa Hume, Ketapo, Teruho, Teruho, Erhei. Mon o fahamon o ano trai tato pa ato. Mon me teiti meiri anei, namu et mon teiti piti tau tini maha. Mon pupu no te pae patoi, ore muiha, ore vairura. Na tato, i kerara mon teiti piti tau tini maha, piti tau tini pae. I imi te maurawe ato, na fe e hamait eite papature roto. Nā whea e hōroa te mōhia i roto i te mō pupu ato. Nā whea e tauturu i te mō tia ato no te aporarhe i anen he rātou e amu mai te i tā rātou hōpō i. I rovehi ai te mō tauira e unei. Tā te mō pāpa e wea i pātou e e pātou no hō rātou. I kera hō, ki roto tātou hō e whenua mana hune. Nga roto wau e whahamon o to i tō tātou tā e rene koho muetini, i tō pupu tō e tātou i te roar a o te matheiti mēri anei rutu i tā tātou mō titau a, mō ruru a. No te mon o tā e rutu i tātou i PLD e whari i tā rātou mō anira. Lea tō pa e mō hia. O te pupu ai kera, o te ia parau. Titau ia rai whātiti e whro te parau. Tau e hina aro te ia teme whātiti e whro i te parau. I nga rōra wau e whahamon o i tātou pa ato. Tātou, te i whari e amo i te ia matheiti, te ia mauti ara pretene o te motomi te roto. E arau e ato, e hare tātou no te whenua. I roto i te mōpū, i rapa e tātou. Mōpū whātere o te mōpū a te au whenua. Nga tātou pa e whaituito, i te mōhope e amatheiti ato. E whātēme i roto i te ieruruga te aporārhei, te tapura o hupa o tātātou i amu i roto i te aporārhei e i rāpaya te aporārhei. Mei tīru o tātou i roto i te aporārhei e rove nei te hupa i te mōmatei ti ato. Mei tīru o, kira whahamon o rā e pīr ātera, tātou pa ātoa. Mei te pēhi ngāro tātou e hi o me te mei te nun a noa tū te mō whaino rā te te mō tātā e whaino rā tātano. I ni arai te uhupa i ha tātou e rohi e te parau. Nā te uhupa tā tātou e rau e unei e i roto i te mō pū a te hau whenua e pahono i te mō wira a to e toera i roto i te roro o tō tātou nun a tātā. Āti e nā poro e hāno ma ohenui nei. Tērā te tei mō parau tā auhin āro e whahamon o i tatu. Whaitui tōra. I te mō pretini te amona e te eti ara i te roara o te matheiti piti tautini ohoru. Hātai mei neirutu i te aporārhei. I te tāpura ohupa o tā otou i rove o rera tā otou i ore i rove ti tauhi e whaoti te matheiti. Te mūti ato o te parhei rutu i nā hanere tō mhaohoru pū i rapa e ki aporārhei. Ia nareira tō tātou, nō te mea me fauwharua nō tātou.
e te mataiti piti tautini a horu maho e, te te aturi nei tatou, e iau te ohipa o te tupui te mhana, e whare I te taat ora, e patu o tini, e imi te maurawe ato nga whea e ravu e amui te ohipa, e iha no tatou ana, no te taat ora rā e mate tēnei tatou te mhana. Kera, pre tini te mōporo, hai tui tora ia oe, Hai tui tōr ai matou pāto e tātou pāto e unei, nā whea tātou e amo mai te I tā tātou hopoia. Te rohe rei. Merci, Monsieur Tefarere. Madame Algon, très rapidement, nous allons continuer à voter pour d'autres commissions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le déroulement de nos travaux aujourd'hui. Et je voudrais adresser mes encouragements à tous ceux qui ont souhaité effectivement porter des responsabilités de présidence de chaque commission. Et merci de permettre à Yorat Fenoua d'être représentée dans chaque commission législative. Mais je voudrais effectivement insister, ça a déjà été dit et en thaïsien et en français, insister sur le fait de la nécessité, de l'importance de la présence des membres titulaires de chaque commission pour ne pas effectivement perdre du temps. Je prends l'exemple de la commission législative de la santé. Ça va faire la troisième année, je crois, que je rempile dans la même commission. Je trouve que c'est une commission qui a toujours eu du mal à réunir le quorum. Et donc, je me dis parfois s'il y avait une motivation véritable des membres à travailler dans la commission. Il n'y a pas que les fonctions de présidence avec les moyens qui vont avec, qui sont intéressants, mais c'est également le débat que suscitent les dossiers qui aboutissent dans chaque commission. Je crois que c'est important que chacun y prenne cette pleine conscience. Et alors, je voudrais aussi embrayer, comme l'a dit M. Higote-Parere, pour les commissions extérieures. Les commissions extérieures sont extrêmement importantes. C'est une représentation du pays dans ces établissements. Et il est important que lorsqu'il y a une nomination d'un membre, d'un élu, dans un conseil d'administration, il faut être présent aussi. Et surtout, ne pas considérer les suppléances comme la dernière roue de la charrette. C'est-à-dire, on prévient les suppléants le matin pour le matin. Voyez-vous? Parce qu'il s'agit aussi de préparer ces dossiers, de lire le dossier de chaque de conseil d'administration, et ensuite de porter également des idées et de débattre, de soutenir le débat dans les conseils d'administration. Donc je souhaiterais qu'il y ait véritablement des engagements de représentation et aussi dans les conseils d'administration. Peut-être parce qu'il n'y a pas de médias. Donc après, on s'en fiche, quoi. Et c'est dommage, parce que le travail est extrêmement intéressant et ça permet aussi de suivre, de faire le lien avec les besoins du pays, les travaux de l'exécutif et également les travaux du législatif. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Et puis, bon, on peut continuer à travailler dans un état d'esprit tout à fait de collaboration fructueuse. Merci. Merci. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'élection des membres de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Et conformément aux articles 129-1 de la loi statutaire et l'article 67-1 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, cette commission se compose de 9 membres élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. Suivant la règle de la représentation proportionnelle, sur les 9 sièges, 4 sièges reviennent au groupe UPLD, 2 au groupe Totato Aïa, 1 au groupe Taho Erahu Iratira, 1 au groupe Yaura Te Fenua et 1 au groupe Temana Otomo Mutu. De la même façon,
j'ai pris la tâche de l'ensemble des groupes pour savoir qui pouvait être leur représentant. Ils m'ont donné leur représentant. Ce que je vous propose, c'est de vous faire distribuer la liste proposée de la CCBF, de vous laisser le temps de la lire, et si elle est conforme à ce que vous m'avez donné comme réponse, nous allons procéder à l'élection de cette CCBF. Je demande au personnel de distribuer la liste qui a été arrêtée ensemble. Donc je rappelle que la liste qui a été distribuée est une liste qui a été établie en fonction des desiderata des uns et des autres. Une fois que nous allons voter et que la liste soit adoptée, les membres de la liste se retireront à la salle des commissions pour désigner leurs responsables. Et ils reviendront ensuite en séance. Nous allons donc... pour les laisser se réunir en salle des commissions, nous allons donc à ce moment-là faire une petite suspension de séance. Est-ce qu'il y a sur la liste qui vous avait été distribuée des modifications à apporter? Pouvons-nous considérer cette liste comme la liste définitive que je vais vous soumettre au vote?
Vous avez tous eu cette liste. Je vous propose un vote à main levée. Ceux qui sont favorables, lèvent la main. À l'unanimité de l'Assemblée. Je demande donc à messieurs Vernaudon, Clarence, Myron Mataoa, Hirohiti Tefarere, madame Maryse Olivier, madame Eleanor Parker, monsieur Achong Chungyu Tunghi Diroro, madame Rosine Brodien, monsieur René Temeharo et madame Armel Merceron de se retirer à la salle des commissions pour désigner les responsables. La séance est suspendue. Donc je vous propose de reprendre nos travaux. Tawanari Matara, Armei. Je demande à ceux qui sont encore à l'extérieur de rentrer en salle. Messieurs les représentants, donc la commission de contrôle budgétaire et financier s'est réunie et a désigné M. Clarence Vernaudon président. Félicitations. Et M. Myron Mataoa, vice-président, tous les deux de la commission de contrôle budgétaire et financier. Si cette désignation a été un peu longue, c'est qu'ils ont voulu aller au fond des choses et voir dans quelle mesure le travail efficace pouvait être mené dans cette CCBF. En tous les cas, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je vous adresse mes félicitations. Bon courage. Nous allons procéder maintenant à l'élection des membres de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Et conformément à l'article 66 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, cette commission est composée du président de l'Assemblée, du président de la commission permanente, du président de la commission, de la présidente de la commission des finances, des trois questeurs, ainsi que de cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, après présentation de la liste établie par consensus entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée statuant directement. Et suivant la règle de la représentation proportionnelle dont on a parlé ce matin, sur les cinq sièges qui restent à pourvoir, trois reviennent au groupe UPLD, un au groupe Totato Aïa et un au groupe Tahoera Huilatira. Et comme pour les précédentes commissions, je me suis rapproché des différents groupes pour constituer les listes et pour faire progresser et prospérer nos travaux. On vous distribue... Je demande d'abord au secrétaire général de donner lecture de la liste établie et ensuite de la distribuer aux représentants. Alors, Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Mme Bob Dupont-Tamara, de M. Tefarere Hirohiti, de Mme Tichobiar Catherine, de M. Tanso Robert et de M. Temeharu René. Merci. Je demande à distribuer les listes aux représentants. Nous allons tous procéder à main levée. Vous êtes d'accord? Vos désirs sont des ordres, Monsieur le Président. Donc, vous avez tous eu la liste? Elle a été distribuée à tout le monde? Donc, je vous propose de voter à main levée sur la liste des cinq membres dont on vous a donné les noms, Madame Tamara Bob Dupont, Monsieur Hirohiti Tefarere,
Madame Catherine Tuichot-Buyard, Monsieur Robert Tonceau et Monsieur René Temeharo. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, je déclare donc élu dans cette commission chargée de la préparation du budget le président de la commission permanente, Monsieur Benoît Cauteil, la présidente de la commission des finances, Madame Françoise Tama, le premier questeur, Madame Théa Hirschon, le deuxième questeur, Madame Armelle Merceron, le troisième questeur, Monsieur Théario Temoana Alpha, Madame Tamara Bob Dupont, Monsieur Hirohiti Tefarere, Madame Catherine Tuichot-Buyard, Monsieur Robert Tonceau et Monsieur René Temeharo. Et bien évidemment, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie, moi-même, et j'ai gardé ma nomination pour la fin, bien entendu. Je vous propose de continuer nos travaux par l'élection des représentants au sein des commissions extérieures, commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de Polynésie française. Il s'agit de notre sixième point de notre ordre du jour, à savoir donc l'élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, nous avons à désigner ces représentants des commissions et organismes extérieurs. Beaucoup d'entre vous avaient estimé qu'il fallait que véritablement nos représentants soient des représentants qui assistent aux séances et qui, si possible, restituent ensuite à l'Assemblée le compte-rendu de leurs travaux, d'une façon que nous allons imaginer ensemble, parce que si vous êtes dans des commissions extérieures, vous n'êtes pas à titre individuel, vous êtes au nom de l'Assemblée de la Polynésie française. Donc il serait bien que vous puissiez nous restituer éventuellement un résumé de vos travaux dans ces différentes commissions. Pour l'instant, nous avons préparé un schéma pour la désignation de nos représentants dans 139 commissions. Il y en avait 140, mais il y a une commission qui résulte d'une délibération qui n'a pas fixé le nombre de représentants. Donc nous avons préféré laisser ça de côté pour nous intéresser qu'aux commissions qui sont réellement constituées avec des chiffres précis. Donc je vous proposerai une suspension de séance pour examiner ensemble la représentation des uns et des autres à l'intérieur de ces commissions extérieures. Je demanderai peut-être aux différents groupes de se réunir et de nous présenter leurs desiderata, et nous verrons ensuite ensemble comment nous pourrions constituer cette représentation de l'Assemblée de Polynésie. Pour l'instant, je suspends la séance. Alors, il y a deux façons de procéder. Nous pouvons suspendre la séance et profiter de ce moment pour aller manger, et revenir ensuite après manger pour établir définitivement cette liste des 139 commissions, où nous pouvons aller jusqu'au terme de la répartition et ensuite clore pour aller déjeuner. C'est à votre décision. Vous préférez qu'on aille jusqu'au bout de nos travaux et on va manger après l'esprit tranquille. J'ai pensé à un plateau du pêcheur pour vous faire en sorte que vous emmagasiniez de l'énergie. Donc je suspends la séance et je demande aux différents présidents de groupe de vous concerter pour vous rencontrer et établir éventuellement une liste homogène unique à l'Assemblée. La séance est suspendue. La séance est reprise. Je voudrais remercier les présidents de groupe qui se sont concertés et qui ont permis d'améliorer la liste qui a été présentée. Bien évidemment, toutes les requêtes n'ont pas été satisfaites, mais nous avons essayé d'offrir au maximum des possibilités des sièges aux membres de l'opposition en tant que représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Donc je vous demande de... Je vous demande de lire attentivement le document synthétique final où nous avons accepté d'intégrer nos amis du Tahoeira Huiratira, nos amis de Yoratefenua, ceux de Totato Aya. On a essayé de faire au maximum pour arriver à trouver entre vous et nous un consensus. Bien évidemment, ça n'a pas été facile.
et je vais certainement demain être accusé d'être un soviète, mais enfin, chacun voit midi à sa porte, et il n'est pas impossible que malgré tous nos efforts, nous soyons encore critiqués. Mais ceci fait partie du jeu démocratique, et j'accepte bien évidemment toutes les critiques et les débats qui peuvent s'en suivre. En rappelant peut-être à nos amis de Totato Aya une phrase célèbre de votre président, M. Thongson, « Tout ce qui est excessif est insignifiant et dérisoire ». Donc peut-être là aussi des intitulés de communiqués excessifs deviennent dérisoires. Avez-vous le document entre les mains? Pouvons-nous participer au vote? Il y a des erreurs? Ah, les secrétaires de l'Assemblée ont commis quelques erreurs. Il faut leur pardonner. Donc, je propose de rectifier ces erreurs. Nous allons les rectifier manuellement et ensuite on donnera le résultat au secrétariat pour le mettre au propre. Simplement, on me signale que dans le document que vous avez à la page 1 sur 8 concernant la commission pour la création et l'extension des élevages de poules pondeuses en Polynésie française, au lieu de Fernand Romataro à lire Damas Outia et au lieu de Sage Maina lire, qu'est-ce que vous avez écrit là, Temeharo, René Temeharo. Et une réclamation à la commission numéro 20 concernant la commission de la coopération intercommunale de Polynésie française. Nous avons proposé que Mme Béatrice Vernaudon soit titulaire et M. Temeharo suppléant. Et M. Temeharo propose d'inverser pour être titulaire et elle suppléante. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Vous êtes d'accord pour inverser et mettre Béatrice suppléante? Donc c'est accepté. À la commission numéro 20, M. Temeharo est titulaire et Mme Béatrice Vernaudon est suppléante. Merci. Avez-vous d'autres commentaires? Sinon, je vais passer au vote. M. Robert Tonceau, voulez-vous vous adresser au président soviète? Monsieur le Président, bien entendu, je vais respecter la voie démocratique et je vais plus critiquer parce que, en fin de compte, c'est du temps perdu. J'ai sollicité, au travers de 139 commissions, à pouvoir figurer dans une commission. Malheureusement, ma voix n'a pas été entendue. Sur 139 commissions, j'ai demandé à figurer une seule fois. Je n'ai pas été retenu. Et en parcourant, je viens de me rendre compte qu'on m'a foutu. C'est le mot. Le mot est peut-être très faible encore. On m'a foutu dans la commission établissant la liste annuelle du jury criminel. Robert Tonceau, je viens de me retrouver là. Histoire que Robert Tonceau se doit de figurer dans une commission. Je l'ai découvert par hasard. Donc, je ne peux plus dire que je figure pas je figure dans une commission, puisqu'on m'a foutu dans cette commission où il y a effectivement mon nom. Donc, je reconnais, Monsieur le Président, je suis dans une commission. Voilà. Mauro. Merci, Monsieur Robert Tonceau. Par les temps qui courent, il vaut mieux être dans une commission de liste du jury criminel. On ne sait jamais. Ça peut être utile. Merci.
Je vous propose de passer au vote, s'il vous plaît. Je vous propose de voter à main levée, comme cela est prévu par le règlement intérieur, qui est pour, à l'unanimité. Le groupe Tautatoaya contre. Le groupe Tautatoaya est contre, donc 10 voix contre. Il y aura été fait... Combien ? 4 voix contre Tautatoaya, 29 pour. 14 abstentions et le reste pour. Donc la liste est adoptée. Je proclame... Pardon ? Faites la différence entre 4 Tautatoaya, 19 abstentions. 16 abstentions et le reste, ça fait 29 pour. Je regrette que nous n'ayons pas eu l'unanimité, mais c'est la règle électorale. La liste est donc adoptée. Oui, Madame Merceron. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais que nous expliquions notre position. Certes, il y a eu des avancées, puisque certaines de nos revendications ont été entendues, mais c'est plus, je dirais, la manière de faire qui nous gêne, parce que finalement, il s'est agi d'aller réclamer quelque chose qui avait déjà été posé, alors qu'on aurait préféré sans doute une discussion sur la base, par exemple, de ce qui existait déjà l'an dernier. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que vis-à-vis de l'extérieur, dans ce genre de commission ou de conseil d'administration, c'est la voix de l'Assemblée qui s'exprime. C'est donc la représentation de l'Assemblée. Il me semble que dans ces cas-là, on n'est plus tellement d'un bord ou de l'autre. On est la voix de l'Assemblée. C'est cela que nous aurions voulu, qu'il y ait également une cohérence entre la participation à une commission législative et la représentation dans telle ou telle commission extérieure. Et franchement, je m'inquiète un peu, je l'ai dit déjà tout à l'heure, du don d'ubiquité que devrait avoir un certain nombre de personnes, parce qu'elles sont dans tellement de commissions qu'elles vont avoir un travail énorme. Donc ces personnes-là, eh bien, nous espérons qu'elles auront le temps de vraiment travailler les dossiers, de nous faire retour de ce qu'elles auront dit pour défendre la position de l'Assemblée. Et la moindre des choses, c'est que même quand elles ne sont pas membres d'une commission, dès lors qu'elle représente la voix de l'Assemblée dans un établissement extérieur, il faut qu'elle puisse apporter ce qu'elles ont eu comme information ou les problématiques auxquelles elles ont pu être confrontées dans la commission extérieure. Il ne faut pas que leur absence éventuelle à l'occasion des réunions des conseils ou à l'occasion des commissions législatives qui traiteraient d'un sujet qui concerne le domaine où elle siège, eh bien, il ne faudrait pas que nous manquions des informations qu'elles sont susceptibles d'apporter. Voilà, donc je regrette un petit peu cette gourmandise extrême d'un certain nombre de personnes qui donne le sentiment qu'elles vont faire de la représentation personnelle plutôt que de la représentation de l'Assemblée. Mais sans doute suis-je une mauvaise... je pense mal, et j'espère qu'elles démontreront tout simplement que, eh bien, elles ont eu raison de postuler à tant de postes. Mais je voudrais remercier également les efforts des uns et des autres pour nous laisser une petite place. Voilà, j'avais remarqué par exemple, si je prends mon cas personnel, que eh bien, j'avais aucune commission, rien du tout. Sur 130 commissions et peut-être un millier de places, il n'y avait rien. J'ai quelques petites choses, mes collègues pareil, donc nous allons nous contenter de cela, nous poserons des questions sur l'absentéisme éventuel des uns et des autres à ces commissions. Voilà, ce serait bien qu'il y ait justement un retour sur le sujet. Merci Madame Merceron. Monsieur Hirote Farere, avant de passer à un autre point de notre ordre du jour.
Je vais faire l'effort d'intervenir en français. Pour que les choses soient claires, lorsque notre président de groupe nous a réunis pour nous exposer les souhaits des uns et des autres, bien sûr que nous avons tout fait à notre niveau pour qu'il en soit ainsi. Et comme vous l'avez si bien expliqué ce matin, et aux uns et aux autres également nous l'avons dit, ou en tahitien ou en français, la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et nous avons fait cet effort. Je souhaite aussi, à titre personnel, rappeler à Mme Merceron qu'elle a tenu les mêmes propos en 2004. Elle a même été plus sévère contre moi-même, puisque j'étais présent dans 26 commissions extérieures. Je me souviens à l'époque que j'avais adressé des rapports. Et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de commentaires, pas eu d'observations, pas eu de suggestions, rien. Qui se fout de la gueule de qui? Excusez-moi d'être sévère. Excusez-moi de rappeler cela. J'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos en tahitien tous les efforts que nous avons faits en héritage du système politique qui est là-bas, là, à l'avenue Pouanaopa. C'est ça notre héritage. On se doit de prendre en compte notre héritage politique et au fil de l'évolution de la société polynésienne, nous adapter à cela. Quand nous avons proposé la modification du règlement intérieur, je me souviens très bien ce que Mme Merceron disait dans cette enceinte. On verra si vous allez réussir. Nous avons réussi et tout le monde, il est content et il est beau aujourd'hui. En 2004-2005, mesdames et messieurs les élus de cette Assemblée, souvenez-vous des conditions de travail. C'était la pensée unique, le parti unique qui décidait pour tout le monde. Voilà pourquoi nos amis des îles ont quitté, voilà pourquoi et ainsi de suite, voilà. Et on est arrivé à cette situation. Il faut souhaiter, et moi c'est mon vœu le plus cher, c'est notre vœu le plus cher, que demain, quand je dis demain, c'est demain dans le temps, on va pouvoir effectivement faire en sorte à ce que l'Assemblée de Polynésie puisse être un exemple. Parce que c'est vrai que nous siégeons dans les institutions pour le pays et pour le peuple. Mais je vous rappelle, je nous rappelle, mesdames et messieurs, je ne prends qu'un dossier pour dire qu'on est en porte-à-faux avec la loi. Le dossier de l'OPT, la représentation du pays à l'OPT, que les tribunaux ne veulent pas reconnaître. C'est même notre fonction d'administrateur qui est remise en cause aujourd'hui parce qu'on nous dit « vous n'avez pas la technicité pour représenter les intérêts du pays ». Avec mon avocat, nous avons rappelé à ceux qui sont là-bas à l'avenue Pouanaopa, de l'autre côté de la rue, que c'est cette technicité qui a fait qu'aujourd'hui la situation économique, financière et fiscale du pays est au plus bas. Voilà. Peut-être qu'il conviendrait effectivement de redéfinir un nouveau concept, un nouveau cadre institutionnel, de nouvelles modalités. Le drame, c'est que quand on s'exprime en français, on comprend mieux, et quand on s'exprime en tahitien, on fait mine de ne pas comprendre. Mais je tenais à le dire d'une manière solennelle, parce qu'aujourd'hui, il est temps, effectivement, Monsieur le Président, qu'une fois qu'on se mettra au travail, et c'est l'objet du travail que nous faisons, malheureusement, on ne peut pas satisfaire tous les appétits, toutes les demandes, mais c'est comme ça. C'est mieux que ce qu'il y avait hier et avant-hier. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Tefarere. Je rectifie le résultat de notre élection pour le document qu'on vous a distribué. Il y a eu 4 votes contre, 14 abstentions et 29 votes pour. Je vous remercie. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée, donc du 8 avril 2011 et arrêté le 15 avril 2011. Merci. À présent, nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Je voudrais vous interroger une fois. J'ai constaté que souvent, lorsque nous allons déjeuner, nous commandons toujours trop de parts par rapport à ceux qui viennent déjeuner. Je vous invite à réfléchir à la façon dont nous pourrions mettre nos présences en adéquation avec les repas que l'on commande. Parce que très souvent, il y a... Pardon, payer
Oui, je vous demande de réfléchir de façon à ce qu'on arrive à quelque chose qui tienne la route. Mesdames, Messieurs les représentants, je vous remercie à tous d'être venus. Maintenant, je vous invite à passer à table. Ça sera le plateau du pêcheur, pour ceux qui aiment les poissons. Pêcheur, pêcheur, hein? Pas pêcheur devant l'Éternel. Merci, à bientôt. Je rappelle au président de groupe que je souhaite les voir à 15h pour la répartition des locaux. Les absents auront tort. Merci.